Bonjour chers apprenants, je suis Aka Jean-Baptiste, professeur de mathématiques. Donc, nous nous trouvons aujourd'hui pour notre deuxième séance. Après avoir vu l'équation d'une droite, le coefficient directeur d'une droite, nous passons à présent à la construction d'une droite dont on connaît une équation, position relative de deux droites, et enfin, nous allons voir un exercice de synthèse. Pour notre premier point de la séance, construction d'une droite dont on connaît une équation, je vous propose ici une activité. Construire dans le plan muni d'un repère OIJ la droite D d'équation 2x moins y plus 3 égale à 0. Donc, comment procède-t-on? C'est ce que nous allons voir maintenant dans la solution. Donc, ici, nous allons trouver deux points dont les coordonnées vérifient l'équation 2x moins y plus 3 égale à 0. Donc, pour ce faire, nous donnons une valeur à x. Nous remplaçons x par sa valeur dans l'équation et nous déterminons y. Donc, ce qui va nous permettre de trouver les coordonnées du premier point. Donc, ici, si x égale à 0, alors nous remplaçons x par sa valeur dans l'équation. On a 2 fois 0 moins y plus 3 égale à 0. Donc, ce qui donne y égale à 3. Donc, ici, notre premier point a pour coordonnées 0, 3. On va à présent déterminer le deuxième point. Si x égale à moins 1, alors 2 fois moins 1 moins y plus 3 égale à 0. On obtient y égale à 1. Donc, le deuxième point a pour coordonnées moins 1, 1. Donc, nous allons appeler A le premier point et B le deuxième point. Donc, plaçons les points A de coordonnées 0, 3 et B de coordonnées moins 1, 1 dans le repère O, I, J. Puis, traçons la droite passant par ces deux points. On obtient donc la droite D comme présentée dans le repère ci-contre. Le deuxième point de la séance, position relative de deux droites. Donc, nous commençons avec les droites parallèles. Donc, en propriété, le plan est muni du repère OIJ. Les droites D et D' ont pour coefficients directeurs respectifs A et A'. Donc, la droite D est parallèle à la droite D' équivaut à A égale à A'. Comment comprendre cette propriété? Ici, il faut comprendre que deux droites sont parallèles lorsqu'elles ont le même coefficient directeur. Ainsi, des fixations. Dans le plan muni d'un repère OIJ, on donne les droites D d'équation x moins 3y plus 4 égale à 0 et D' d'équation moins 1 tiers de x plus y moins 2 égale à 0. Justifie que les droites D et D' sont parallèles. Solution. Écrivons chacune des équations sous la forme y égale à ax plus b. Donc, nous commençons avec la première droite, la droite D, dont l'équation est x moins 3y plus 4 égale à 0. On écrit moins 3y égale à moins x moins 4. Donc, finalement,
la droite D a pour équation Y égale 1 tiers de X plus 4 tiers. De la même manière, nous prenons la droite D' dont l'équation de départ est moins 1 tiers de X plus Y moins 2 égale à 0. Donc nous transformons comme tout à l'heure, on obtient la droite D' a pour équation Y égale à 1 tiers de X plus 2. Donc le coefficient directeur de la droite D est 1 tiers et le coefficient directeur de la droite D' est aussi 1 tiers. Donc ici, on remarque que les deux droites ont le même coefficient directeur qui est 1 tiers. Donc on dit que la droite D et la droite D' sont parallèles. Nous passons à présent aux droites perpendiculaires. Donc en propriété, le plan est muni du repère orthonormé OIJ. Les droites D et D' ont pour coefficient directeur respectif A et A'. La droite D est perpendiculaire à la droite D', équivaut à A multiplié par A' égale A moins 1. Qu'est-ce qu'on retient ici? On retient que deux droites sont perpendiculaires lorsque le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Donc nous allons appliquer cela à un exercice. Exercice de fixation. Dans le plan muni d'un repère OIJ, on donne les droites D d'équation 3x moins y moins 3 égale à 0 et D' d'équation y égale à moins 1 tiers de x moins 4. Justifie que les droites D et D' sont perpendiculaires. Solution. Écrivons l'équation de la droite D sous la forme Y égale à AX plus B. Donc, on prend l'équation de départ de la droite D qui est 3X moins Y moins 3 égale à 0. On écrit moins Y égale moins 3X plus 3, d'où la droite D a pour équation Y égale à 3X moins 3. On remarque que ici, la droite D', son équation est déjà sous la forme AX plus B. Donc, on n'a plus besoin de transformer. Ainsi donc, la droite D a pour coefficient directeur A, tel que A est égal à 3. La droite D' a pour coefficient directeur A', tel que A' égale à moins 1 tiers. Donc, on a A multiplié par A' qui est égal à 3 multiplié par moins 1 tiers, ce qui est égal à moins 1. Donc ici, on remarque que le produit des coefficients directeurs est égal à moins 1. En conclusion, nous disons que la droite D et la droite D' sont perpendiculaires. On poursuit le cours avec la construction d'une droite dont on connaît un point et le coefficient directeur. En exercice, dans le plan muni d'un repère OIJ, construis la droite passant par le point A de coordonnées 0, 2 et de coefficient directeur moins 2. Solution, on place le point A de coordonnées 0, 2 dans le repère. On construit le point B tel que le vecteur AB est pour couple de coordonnées 1, moins 2. C'est-à-dire quoi? Que ici, le vecteur AB a pour coordonnées la première composante, c'est 1, toujours 1, et la deuxième composante, c'est le coefficient directeur.
Exercice. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, on donne les points A de coordonnées 2, 0, B de coordonnées 6, 2 et C de coordonnées 0, 4. Petit 1, détermine une équation de la droite AB. Petit 2, vérifie que le point C n'appartient pas à la droite AB. Petit 3, calcule les coefficients directeurs des droites AB et AC. Et enfin, petit 4, démontre que les droites AB et AC sont perpendiculaires. Donc en petit 1, détermine une équation de la droite AB. On sait que le point A a pour coordonnée 2, 0 et le point B a pour coordonnée 6, 2. Donc considérons un point M du plan tel que M a pour coordonnée X, Y. On sait que M appartient à la droite AB équivaut à vecteur AM et vecteur AB sont collinéaires. Ici, on n'a pas les coordonnées du vecteur AM et du vecteur AB, donc on va les déterminer. Alors, pour déterminer les coordonnées du vecteur AM, la première composante du vecteur AM, on fait l'abscisse de M moins l'abscisse de A. La deuxième composante du vecteur AM, on fait l'ordonnée de M moins l'ordonnée de A. Donc, le vecteur AM a pour coordonnées X moins 2, Y moins 0. Donc, ce qui donne vecteur AM coordonnées X moins 2, Y. Le vecteur AB, la première composante, l'abscisse de B moins l'abscisse de A. La deuxième composante du vecteur AB, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Donc, ce qui donne vecteur AB a pour coordonnée 6 moins 2, 2 moins 0. Donc, on obtient le vecteur AB a pour coordonnée 4, 2. D'où M appartient à la droite AB équivaut à, on fait la première composante du vecteur AM multiplié par la deuxième composante du vecteur AB moins la deuxième composante du vecteur AM multiplié par la première composante du vecteur AB égale à 0. Ce qui donne 2 facteurs de X moins 2 moins 4Y égale à 0. On obtient 2X moins 4 moins 4Y égale à 0. Et finalement, on obtient 2X moins 4Y moins 4 égale à 0. En conclusion, nous disons donc 2X moins 4Y moins 4 égale à 0 est une équation de la droite AB. La deuxième question, vérifie que le point C n'appartient pas à la droite AB. On sait que le point C a pour coordonnée 0, 4 et la droite AB a pour équation 2X moins 4Y moins 4 égale à 0. Alors, nous allons remplacer X et Y dans l'équation de la droite AB par les coordonnées du vecteur du point C. On obtient 2 fois 0 moins 4 fois 4 moins 4 égale à 0 moins 16 moins 4 et finalement c'est égal à moins 20. Donc ici, moins 20 est différent de 0. Or, l'équation de la droite, on a 2x moins 4y moins 4 égale à 0. Ici, on ne trouve pas 0, on trouve moins 20. Donc, on conclut en disant que le point C n'appartient pas à la droite AB.
Troisième question. Calcule les coefficients directeurs des droites AB et AC. On sait que le point A a pour coordonnée 2, 0. Le point B a pour coordonnée 6, 2. Et le point C a pour coordonnée 0, 4. Donc, le coefficient directeur de la droite AB est y de B moins y de A sur x de B moins x de A, ce qui est égal à 2 moins 0 sur 6 moins 2, ce qui donne 2 sur 4. Et finalement, le coefficient directeur de la droite AB est 1,5. Le coefficient directeur de la droite AC est y de C moins y de A sur x de C moins x de A, ce qui est égal à 4 moins 0 sur 0 moins 2, ce qui donne 4 sur moins 2. Donc le coefficient directeur de la droite AC est moins 2. Petit 4, démontre que les droites AB et AC sont perpendiculaires. Alors ici, nous allons faire le produit des coefficients directeurs des droites AB et AC. Donc on a moins 2 multiplié par 1,5 qui est égal à moins 1. Donc comme le produit du coefficient directeur est égal à moins 1, on dit que les droites AB et AC sont perpendiculaires. Donc chez vous à la maison, je vous propose les exercices qui suivent. Exercice 1. Dans le plan muni du repère OIJ, construis la droite D d'équation 2x moins 3y plus 2 égale à 0. Exercice 2. Dans le plan muni du repère OIJ, les droites D1, D2, D3 ont respectivement pour équation moins 2x plus 2y plus 3 égale à 0, x moins y plus 1 égale à 0, et 3x plus 3y moins 6 égale à 0. Justifie que la droite D1 et la droite D2 sont parallèles, que la droite D2 et D3 sont perpendiculaires. Chers apprenants, nous vous rappelons que ce n'est pas encore les vacances. Donc, les cours sont mis à votre disposition afin de vous aider à continuer le travail à la maison. On continue d'étudier, on n'est pas en vacances. Et donc, je vous invite à respecter les mesures barrières afin de combattre le COVID-19 dans notre pays. Au revoir et à très bientôt.